Salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai fait de nouveaux réglages par rapport à mon setup. J'ai un nouveau bras pour la caméra qui est mieux parce que du coup ça me fait un plan hauteur. Ça évite d'avoir le trépied à ce niveau-là et du coup de taper tout le temps dans H24. J'ai une lumière qui est là. Petite vidéo test par rapport à ce nouveau setup. On va ouvrir du coup deux tripacks tempête argentée. Comme vous pouvez le voir, du coup, le plan est beaucoup plus élevé puisque le téléphone se trouve beaucoup plus haut. Vous avez une meilleure vue, une vue beaucoup plus large. Donc regardez, voilà. Quand je vais pouvoir mieux vous présenter les coffrets en fait. C'est ça qui est cool. Donc là, du coup, on va commencer avec ces deux petits paquets là. Du moins, ces deux petits tripacks. 6 boosters au total, tempête argentée. On va voir si on a de la chance. Comme toujours, ne vous inquiétez pas de l'état de mes mains. Hein. D'ici un an, d'ici à peu près un an, il devrait être calmé, hein, je pense. Sinon, ça veut dire qu'il a un gros problème ce chat. Donc, du coup, on va ouvrir ça. Petit tripack tempête argentée. Hop. Donc, Manafi et Togetic. On se retrouve juste après que j'ai retiré tous les tripacks. Et on passe du coup à l'ouverture. C'est parti, à de suite. Et voilà, du coup, on se retrouve avec tout ouvert. On a bien sûr les deux petits jetons qui sont là, mais bon, c'est les mêmes comme à chaque fois. Donc, ça ne change pas grand-chose. Là, on a du coup nos deux cartes promo. Voilà, donc Togetic, je prends très joli Togetic, et là on a le petit Manaphy, ça je vous les mets juste là, on va les mettre juste ici, et là du coup on a nos 6 boosters, 2, 3, 4, 5 et 6, on va ouvrir ça de suite, hop, Lugia il est à l'envers, on le remet à l'endroit, hop, de toute façon... On espère avoir un peu plus de chance que la première fois. Hein. On avait eu Sucre Reine. On avait juste eu Sucre Reine en radio. Donc là, on a un code noir. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est parti. Alors, on commence du coup. Je sais pas trop comment il fait le focus. Énergie, Morpeko. Peut-être zoomer un peu plus, ce serait peut-être mieux. Hop. Voilà. Donc, Arôme. Captivant. Derrière, on a Wailord, Togedemaru, Mascaïman, Sucroquin, Vorastéri, Oui Messire, Passe Rouge en reverse. Et derrière, on a une V. Oh! Et on a Majaspic V pour commencer cette ouverture. Très très belle carte. Franchement, très jolie. Je l'ai déjà en japonais, donc ça fait plaisir. Donc pour les sleeves en vidéo, bon, je fais pas le double sleevage en vidéo, mais je vous fais au moins, hop, regardez-moi ça, j'ai pu réavoir, du moins j'ai pu racheter des perfects. Donc voilà, je mets au moins la perfect. Et je pose ça ici, comme ça on voit bien. Moi c'est un peu flou, mais bon, c'est en arrière-plan. Tac. Alors tac, ça. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu déchires pas les boosters, pourquoi tu fais ça aussi. Parce que je préfère, c'est plus simple d'une part pour moi. Et de deux, ça évite de faire trop de bruit. De 3, 4, étant donné que les réglages de mon micro, eh ben, ils sont pas encore. J'ai du mal à régler mon micro. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est parti. Donc énergie, fossile inconnu, énergie, garde V. Alors, hop, je suis désolé si par moment le focus se barre. Matoufeu, Emolga, derrière on a Terral, Limonde, Goupix, Stalgamin, derrière on a Clic-Ti-Clic en reverse et on finit sur Gardevoir. Pour ce booster, j'essaie de prendre un peu plus de temps sur les voitures parce que je trouve que ça fait un peu bâclé de passer vitesse grand V juste pour aller jusque la V. Prendre un peu de temps, s'arrêter sur les communes. Hop, donc deuxième code blanc. 1, 2, 3, 4. Allez. J'espère avoir quelque chose. Donc, énergie. Locpin. Quadroc. Énergie régénérante. Incroyable. Fampi. Oh, elle est trop mignonne celle-ci. Elle est trop mignonne. Regarde-moi ça. Il est tout mignon le petit Fampi. Flamiaou. Furiglon. Fennec, Fermite. Ouh, on a une trainer galerie. Oh, et on a Lipoutou du coup en trainer galerie.
Avec, du coup, si je me trompe pas, c'est Clément du Conseil 4. De quelle région? Je me rappelle plus, mais c'est Clément. Et derrière, on finit sur un petit Victini. Donc, une trainer Gary, franchement, ça fait du bien. Là, pour l'instant, on est à 2 ultras pour 6 boosters. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, franchement, quand je regarde le retour, c'est tellement mieux de l'avoir, du moins. C'est tellement mieux d'avoir acheté ce bras-là. Parce que c'est un bras, c'est pas un trépied cette fois-ci que j'ai pris. Donc, ça me fait que j'ai un plan qui est vraiment bien en hauteur. Franchement, ça va être génial pour les prochaines ouvertures. Pour tout ce qui est coffret, pour pouvoir mieux vous les présenter, ça va être cool. Donc c'est parti, énergie. Wellord. On a arôme captivant. Raichu. Furéglon. Fampi. Franchement, Fampi, j'aime trop cette carte de Fampi. Je la trouve très très jolie. Flamiaou. Furéglon à nouveau. On a eu deux fois Furéglon. Ok. Goupix. On a Netram, qui est juste en fait martien mais à l'envers. Et on finit sur clic-clic-clic. Allez, plus que deux boosters. Est-ce qu'on va avoir une autre ultra? Est-ce qu'on peut avoir une autre ultra? Histoire de. Allez, le code blanc, bon. Le code est blanc. Mes tripacks sont un peu moins entre guillemets garnis que sur les extensions précédentes. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais beaucoup plus de chance. Bon, entre guillemets, beaucoup plus de chance. C'est relative. Hôtel primordial. Déden. Morpeko. Lossor, pareil, en fait, Lossor, du moins, Lissor ou Le Sort, c'est comme vous voulez. C'est l'inverse de Roswell. Vous savez, par rapport au crash d'extra. Du moins, au soi-disant crash qu'il y a eu près de Roswell aux États-Unis. Bacabou, Brutalibré, Reliquante, on a Nosferapti en reverse et on finit sur Golett. Je sais pas s'il faut prononcer le T ou pas, si c'est Golett ou Golet. Je sais pas du tout. Allez, dernier booster de ce tripack, non, de ces deux tripacks. Et c'est un code blanc. Bon, j'ai vraiment pas de chance sur les tripacks. 2, 3, 4. En vrai, je dis ça, si ça se trouve, paf, j'ai un petit Rayquaza Black and Gold qui irait avec celui que j'ai en japonais, ce serait drôle. Énergie, Kirlia, Matoufeu, Draco, Flamiaou. On a du coup un petit Cornèbre. Oh, il est très joli ce Cornèbre. Très beau. On a Tilton. On a Motisma. Derrière, on a l'appareil. Franchement, les illustrations, moi, je les trouve super belles sur cette extension. Elles sont trop jolies. On finit du coup sur Nosferalto. Et on a Momartic. Franchement, une V et une trainer galerie sur 6 boosters. Ça fait une ultra par tripack. On n'est pas dégueulasse. Si on avait eu une troisième, ça aurait été cool. Une quatrième, ça aurait été incroyable. Non mais franchement, ça fait plaisir. Hein. Ça fait déjà super plaisir, Majestic V. Franchement, qui est une carte mais absolument magnifique. Regardez-moi ça. Elle est tellement belle avec ce halo de lumière là, qui arrive sur le dessus comme ça, les feuilles et tout. Franchement, la composition de la carte est incroyable. Le Liputu, très joli. C'est pas ma préférée en Trainer Gallery. Voilà pour le recap de cette ouverture. On va pas oublier les promos. On va les prendre avec nous. Et voilà du coup pour cette ouverture de Tripack Tempête Argentée. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Je te mets directement une autre vidéo si tu veux voir plus d'ouvertures. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!